La grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre frère et notre Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons entendre tout à l'heure le récit d'un épisode fameux de la Bible, celui où Jésus marche sur l'eau. Est-ce qu'il a vraiment marché sur l'eau, pensez-vous? Ou bien est-ce impossible? Eh bien, comme je viens de vous annoncer que ce culte s'ouvrait, comme tous nos cultes, sous le signe de la grâce, j'ai une réponse qui va mettre tout le monde d'accord. On raconte qu'un jour, à l'époque contemporaine, un groupe de touristes est arrivé au bord de la mer de Galilée en Israël. Il projetait d'aller y faire un tour en barque pour suivre les traces de Jésus. Arrive alors un loueur de bateau. Il leur propose 500 euros pour 2 heures de balade. Les touristes sont estomaqués. « Comment cela, 500 euros, mais c'est du vol ?» Le loueur de bateau argumente, « Mais c'est le lac où notre Seigneur Jésus-Christ a navigué. » Un des touristes lui répond alors, « À ce prix-là, pas étonnant que Jésus ait préféré traverser à pied. » La grâce, c'est la capacité aussi à avoir de l'humour, je crois. C'est la capacité à nous laisser étonner, à nous laisser déplacer, à savoir prendre de la distance, à nous alléger. C'est ce que nous voulons faire ce matin, par la prière, en remettant notre confiance en la présence de Dieu. Bienvenue donc pour ce temps partagé de grâce. Et nous voudrons à présent, entrer dans le culte en chantant « Viens en cette heure, ô tendre Père ».
Nous louons Dieu. Dieu notre Père, nous te remercions pour cette journée et pour cette heure mise à part dans notre vie. Tu nous invites à faire maintenant une pause sous ton regard, au milieu de l'agitation de nos vies. Tu nous proposes de vivre ici et maintenant un temps d'écoute et de partage, un temps de prière et de louange, un temps de légèreté aussi, un temps où nous pouvons nous ressourcer auprès de ta grâce et de ton amour. Loué sois-tu. La grâce de l'Évangile est si difficile à comprendre pour les gens pieux, parce qu'elle nous met en face de la vérité et nous dit « Tu es un pécheur, un très grand pécheur, incurablement. Mais tu peux aller tel que tu es auprès de Dieu qui t'aime. Il te veut tel que tu es, sans que tu fasses rien, sans que tu donnes rien. Il te veut toi-même, il te veut toi seul. » En te disant la vérité sur toi-même, Dieu te libère. Il veut te voir simplement tel que tu es pour pouvoir te faire grâce. Alors tu n'as plus besoin de te mentir à toi-même ou de mentir aux autres en te faisant passer pour sans péché. Ici, il t'est permis d'être un pécheur et aussi d'en être pardonné. Remercie Dieu pour cela.
Nous avons soif, Seigneur, soif de ta présence, de ton amour, de ton esprit, de ta parole. Nous avons soif, Seigneur, nous venons à toi les mains vides, nous venons les mains tendues, nous venons dans la confiance. Tu nous offres l'eau vive, tu veux nous offrir ta parole. Parle, Seigneur, maintenant, nous t'écoutons. Béni sois-tu, aujourd'hui et toujours. Amen. Lecture de l'Épître de Corinthiens, chapitre 1, versets 8 à 11. Frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez la détresse que nous avons connue en Asie. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. Nous désespérions même de rester en vie. En nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort. C'était pour que nous ne mettions pas notre confiance en nous-mêmes, mais dans le Dieu qui réveille les morts. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous avons mis en lui notre espérance et nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous y contribuerez vous-même en priant pour nous. Ainsi, beaucoup auront obtenu ce don de la grâce en notre faveur et beaucoup en rendront grâce pour nous. La lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 14. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir envoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme, » disaient-ils. Et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Viens, dit-il, et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais devant la violence du vent, il eut peur et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit en disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Thank you.
Chers frères et sœurs, cette semaine, nous sommes partis avec les jeunes du catéchisme et durant le séjour que nous avons vécu à Storkenzone, nous avons réalisé une boîte à questions, comme cela nous arrive parfois, une boîte dans laquelle on avait un temps pour cela, les jeunes pouvaient écrire sur des petits papiers des questions anonymes de tous ordres. Et puis, à différents moments du séjour, nous avons pris des moments pour échanger à propos de ces questions. Il y avait des questions comme « C'est quoi le baptême ?»« Quand est né Dieu ?»« Pourquoi la violence dans le monde ?» Et puis, il y en avait une, parmi la trentaine de questions que nous avions, qui était la suivante. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Eh bien, les deux tiers des jeunes ont répondu non. Alors vous vous direz peut-être, mais comment cela ? Ils sont au catéchisme et ils disent ne pas croire en Dieu. Est-ce que c'est de l'hypocrisie ? Ou bien est-ce qu'ils sont contraints par leurs parents d'aller au catéchisme ? Ou bien vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce que font les pasteurs ? Eh bien, pour ma part, je me suis dit que c'était plutôt une bonne nouvelle. Déjà, voici des jeunes qui sont honnêtes, parce que par ailleurs, dans le séjour, ils ont été très participatifs pour tous les moments que nous avons vécus. Ils ont fait, avec Jean-Sébastien Laurent, une étude biblique sur un texte un peu âpre de Paul, et ils en ont dégagé une compréhension très riche. Nous en reparlerons d'ailleurs ensemble lors d'un de nos cultes au commun fin mars, auquel ils participeront. Bien, je me suis dit, si je leur lisais le texte de Matthieu, que nous avons entendu à l'instant, qui nous parle de Jésus en train de marcher sur l'eau, il y aurait en effet de quoi se dire « ça, j'ai un peu du mal à y croire ». J'ai un peu du mal à croire en un Dieu qui puisse intervenir, modifier les lois physiques. D'un autre côté, certains diront « moi, je crois en Dieu, je crois donc que Dieu peut modifier les lois de la physique ». Alors, par rapport à ça, on peut poser quelques hypothèses. Il y a celle que j'ai évoquée au début du culte, peut-être était-ce parce que la location de la barque était trop chère pour Jésus qu'il s'est dit simplement « je vais y aller à pied ». Évidemment, cela ne suffit pas à combler nos questions. Certains ont tenté d'apporter des explications pour sauver à la fois le texte biblique, comme si le texte biblique avait besoin d'être sauvé, et la raison. Ainsi, un chercheur américain a avancé que Jésus aurait pu marcher sur une couche de glace difficilement visible sur le lac parce que il y a 2500 ans, il y a eu un refroidissement climatique dans la région, ce qui aurait pu expliquer qu'il aurait pu y avoir des plaques de glace. Bon, il est courant, ce n'est pas la première fois qu'on essaye d'apporter ou de combler nos questions par rapport au texte biblique par des explications scientifiques. On a la même chose pour les récits de la traversée de la mer Rouge, comment la mer s'est-elle ouverte, est-ce que c'était un grand vent, un ouragan, ou est-ce qu'ils ont pu passer à pied sec parce que la mer était baissée. Face à ces explications scientistes, pourrions-nous dire, il y a un théologien d'une université évangélique qui répondra à lui, « Toutes ces théories me laissent de glace, pour moi c'est tout simplement un miracle ». Et nous, comment nous situons entre ces deux hypothèses ? Alors, je ne vais pas vous poser la question, on pourrait faire un sondage entre nous, parce que je crois que ce n'est pas la bonne question. Parce que c'est une question figée, parce que c'est une question trop humaine. Ceux qui étaient présents la semaine passée se souviennent de la question de Jérémie et de sa réponse. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Et le texte de Jérémie répondait, c'est de connaître Dieu. Voici ce qu'est la seule intelligence. Et qu'est-ce que c'est que connaître Dieu ? Eh bien, je crois que c'est l'enjeu de notre texte, ce récit
de la marche sur l'eau. Alors le récit commence d'une manière un peu curieuse. Il y a... Ah ben voilà, ça ne... vous ne le voyez pas. Excusez-moi. Mon téléphone qui n'est pas en forme ce matin. Il y a dans le début du texte quelque chose qui gratte un peu comme ça. Il y a un mot qui peut, on se dirait, mais ça c'est pas tout à fait Jésus. Ou qui pourrait poser question. Obligea. Jésus oblige les disciples à monter dans la barque, alors je ne sais même pas comment il les oblige, par son autorité, et à passer de l'autre côté de la rive du lac. Et on ne nous explique pas pourquoi. Alors on ne peut qu'imaginer qu'est-ce qui s'est passé. Si on prend notre récit biblique, si on remonte quelques lignes plus tôt, les disciples venaient de vivre un événement de communion forte, puisque juste avant, on nous racontait l'épisode de la multiplication des pains, où Jésus et ses disciples ont nourri 5000 personnes sur un pré. Alors nous imaginons encore tout le monde, les disciples ébahis, leur foi encore renforcée par la puissance de la présence de Jésus. Et voici que Jésus maintenant les renvoie, les oblige à le laisser. Je l'entends, ou nous pouvons l'entendre, comme le fait qu'il les envoie à présent pour aller essayer de marcher par eux-mêmes, ou plutôt, en l'occurrence, à ramer par eux-mêmes. Alors ils résistent, parce que ce serait tellement plus facile si Jésus ramait à leur place, si Jésus pouvait leur assurer que si une tempête survenait, il maîtriserait les flots, il maîtriserait les éléments, comme il l'avait déjà fait quelques chapitres plus tôt, lors du récit de la tempête apaisée. Nos disciples sont un peu comme de jeunes amoureux. Ils ont besoin encore de fusionner avec l'objet de leur rencontre qui les a bouleversés. Ou bien ils sont comme des néo-convertis, pleins de l'enthousiasme pour le monde et des possibles qui s'est ouvert à eux. Ils avaient pu nourrir 5000 personnes. Alors pourquoi pas 50 000 demain, puis 1 million, et puis pourquoi pas le monde entier ? Avec Jésus, tout est possible, pense-t-il, comme pourrait le formuler le slogan d'une église évangélique. Seulement, cela, c'est de la foi magique. C'est cette foi peut-être dont les jeunes ne veulent pas, une foi qui va à l'encontre de la raison. Cette foi ferait du monde comme un jeu de Playmobil un peu, dont nous serions les petits personnages, avec un dieu en démiurge, qui n'aurait qu'à nous placer et à nous déplacer pour que le monde soit parfaitement organisé. Seulement, si le monde était ainsi, quel besoin y aurait-il eu de nous doter d'une conscience? Et puis, quel goût aurait l'existence? Quel goût aurait l'amour si l'autre ne risquait pas de m'être enlevé à un moment, si l'autre ne disposait pas de la liberté de s'en aller? Quel goût aurait la vie si elle n'était pas confrontée à sa finitude, à la possibilité de la mort? La Terre ne serait finalement pas bien différente des autres planètes. Elle serait figée, sans vie, juste un océan minéral. Parce que vivre en fait, c'est bouger. Vivre, c'est se bouger. Il n'y a pas de vie sans mouvement autonome. C'est pourquoi je me dis que Jésus demande ce jour-là aux disciples de le lâcher un peu, de quitter ses jupes pour essayer de se débrouiller un peu tout seul. Parce que vivre n'est pas possible non plus sans prendre de risques. Comme les enfants ont besoin de se détacher progressivement de leurs parents pour devenir des adolescents, les adolescents ont besoin à leur tour, ensuite, de pouvoir formuler leurs propres paroles personnelles,
de ne plus simplement répéter celles de leurs parents, parce qu'ils ne sont plus des enfants. Le mot « enfant », pour mémoire, signifie « celui qui ne parle pas ». L'adolescent, c'est celui déjà qui se met à parler. Il a son propre mot à dire, et ce n'est pas simple parfois pour les parents d'apprendre à faire de la place à la contradiction, au débat d'idées, comme pour un pasteur d'entendre les jeunes dire « nous ne croyons pas en Dieu ». Cela nous oblige à nous dire « eh bien, nous ne sommes pas Dieu, nous non plus ». Nous ne sommes pas tout-puissants, et même Dieu a choisi de ne pas nous contraindre, de ne pas contraindre la foi. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous réjouir, parce que nous avons en face de nous des êtres bien vivants, dotés d'une personnalité de courage et de conscience. Et voilà donc les disciples, un peu contraints, lâchés seuls sur le lac. Et la tempête se lève. Et la barque se retrouve secouée par les flots. Le texte original dit même « elle est torturée par les flots ». Prendre son envol, trouver sa place sur terre, dans un groupe, ce n'est pas simple, parce que cela nous bouscule de toutes parts. Les jeunes le découvrent aussi dans nos séjours, comme nous pouvons le découvrir dans nos communautés paroissiales. Un groupe humain, c'est compliqué parfois. Il y a des forts qui s'imposent, qui parlent haut, qui sont à l'aise, parfois pour cacher leur faiblesse. D'autres ont plus de mal à s'imposer. Ils voudraient être comme les forts, sans se rendre compte que les forts ne le sont pas vraiment. Un groupe humain peut se révéler très violent s'il n'a pas de but commun, d'unité commune, et s'il oublie quelle est sa raison d'être. Celle d'accueillir. Et voici qu'au milieu du lac déchaîné apparaît Jésus. Cela peut nous rappeler ou nous donner à penser que même si nous devons progresser seuls dans l'existence, Dieu n'est jamais très loin. Entre le Dieu qui n'existerait pas du tout ou qui aurait quitté le monde, et le Dieu totalitaire qui gouvernerait tout, contrôlerait tout, interviendrait dans tout, il y a ce Dieu-là. Ce Dieu qui est là et pas là. Ce Dieu qui est absent et présent, qui est proche et lointain, qui est attentif sans être étouffant. C'est le Dieu à juste distance. Il n'est pas trop près de nous pour que nous puissions exister. Mais il n'est pas trop loin non plus pour que nous puissions être rassurés. Les disciples vivent ici, d'une certaine manière, la crise d'adolescence de leur foi. Poussés à se lancer de manière autonome, ils se rendent compte qu'ils ont encore besoin de la présence et du soutien pour des adolescents de leurs parents, pour les disciples de Dieu. Ils passent de la foi enfantine, sans question, à la foi en eux-mêmes, en essayant de se débrouiller tout seuls, et puis ils passeront plus tard à une foi plus mûre, capable de vivre dans une forme de déséquilibre permanent. Parce que vivre et croire, c'est une sorte de déséquilibre équilibré, pourrions-nous dire. C'est comme lorsque nous marchons. Marcher, c'est être en perpétuel déséquilibre que nous corrigeons à chaque pas. L'invention de la marche humaine est une merveille de technicité. Des entreprises de très haute technologie s'ingénient depuis des années à tenter d'apprendre à des robots à imiter la marche humaine, et aucune n'a encore réussi à leur faire acquérir la fluidité naturelle dont un enfant de 5 ans est capable. Beaucoup d'entre nous pratiquons la marche, c'est un des loisirs, une des activités favorites de beaucoup. Et lorsque nous marchons, nous le faisons de manière instinctive, sans y penser. Si en marchant, d'ailleurs, je me mettais à penser à chaque pied que je pose au sol, au rythme que je dois donner à mes pas, je risquerais très vite de m'emmêler les jambes. Et c'est un peu peut-être ce qui se passe pour Pierre. Et c'est pourquoi nous pouvons aussi entendre cet épisode comme une image de la foi.
Poussé par la foi, Pierre demande à Jésus de l'appeler pour qu'il le rejoigne sur l'eau. Alors il sort de la barque, sans plus se poser de questions, et il se met à marcher sur l'eau. Mais voici qu'il se met à penser, à douter de lui-même, à se poser 1000 questions, mais où suis-je ? Et la peur le saisit, et il s'en mêle les pieds d'une certaine manière, et il se met à s'enfoncer. Nous pourrions comparer cela encore à la conduite sur glace. Vous savez, vous avez peut-être entendu ou déjà vu des reportages sur le lac Baïkal en Sibérie. Lorsque celui-ci gèle en hiver, il devient une route et même une voie ferrée que vont emprunter des convois de véhicules, mais avec une recommandation, c'est de rouler à vitesse réduite et de ne jamais s'arrêter. C'est lorsque l'on s'arrête d'avancer, de se mouvoir, que le risque devient le plus grand. Parce que là, tout le poids se met à reposer sur ce qui est fragile. Alors on pourrait se dire que l'existence, c'est un peu cela, être toujours en mouvement, et la foi aussi. La foi est comme la marche, c'est un mouvement de balancier continu entre la confiance et le doute. Si je n'avais que le doute, je serais paralysé. Si je n'avais que la confiance, aveugle, je serais paralysé aussi, parce qu'elle m'empêcherait d'aller voir ce qui se passe d'autres rives. Et nous pourrions encore projeter cela ou décliner cela quant aux ambiances politiques. Vivre dans le doute permanent, c'est une des conséquences de la modernité. Elle a été mise en œuvre par les philosophes que Paul Ricoeur a nommés les maîtres du soupçon. Ce furent Karl Marx, Friedrich Nietzsche et Sigmund Freud. Ceux-ci ont mis fin à la période optimiste issue des Lumières, qui elle-même avait mis fin à la pensée pessimiste de la fin du Moyen-Âge. Alors ces maîtres du soupçon ont eu un rôle utile dans la mise en cause des forteresses et des certitudes religieuses qui bloquaient l'évolution des sociétés. Seulement, ils étaient aussi dépourvus d'espérance. Entre l'explication scientiste de tous les phénomènes sociaux, par Karl Marx, le pessimisme suicidaire de Nietzsche et la réduction des phénomènes humains à la psychologie, les fenêtres que ces maîtres du soupçon ont ouvertes ont abouti à de nouveaux enfermements. Parce qu'on ne peut pas vivre dans le doute perpétuel non plus. On ne peut pas vivre dans le soupçon permanent. Et d'une certaine manière, la démocratisation de la pensée soupçonneuse a abouti à ce qu'on nomme aujourd'hui la pensée complotiste. La déconstruction a laissé un peu notre civilisation sur un champ de ruines. Nous avons besoin, oui, du doute et du soupçon, mais pas seulement. Nous avons besoin aussi de notre seconde jambe pour équilibrer notre marche, de la confiance, de la relation, de faire communauté, de ne pas sans cesse nous méfier. Si je conserve la métaphore de la conduite sur glace, les recommandations de la sécurité routière en hiver, si votre véhicule dérape, si l'adhérence vient à manquer, c'est de ne ni accélérer brutalement, ni décélérer brutalement, de ne pas paniquer et de garder son regard dans la direction que vous souhaitez prendre. Lorsque Pierre s'enfonçait dans l'eau, c'est parce qu'il s'était mis à regarder ses pieds, c'est parce qu'il avait arrêté de marcher, et ce n'est que lorsqu'il va retourner son regard vers Jésus, qu'il va appeler au secours, qu'il retrouvera l'équilibre et la stabilité. Marcher, croire, vivre. Ainsi, je me dis que c'est porter son regard vers le Christ qui nous précède, qui n'est jamais loin. C'est ne pas s'enfermer dans des « je sais » ou « je ne sais pas ». Mais c'est laisser sa jambe qui doute et sa jambe qui croit nous porter tranquillement, pas après pas. Les jeunes, et probablement chacun de nous, nous construisons notre foi
en apprenant à poser un pied après l'autre, en nous disant « je doute, je crois, je doute, je crois, je doute, je crois », et ainsi de suite. Et à un moment, la marche va se faire naturelle dans une merveille d'équilibre. Peut-être un équilibre qui pourrait ressembler à cette image, qui est une jolie image de la grâce, et avec laquelle je vous laisserai pour terminer. Alors, les annonces. La communauté d'aide Saint-Maurice de Pfastatt organise, et le théâtre alsacien de Lutherbach organise une séance de théâtre. Alors, je ne vous le lirai pas en alsacien. Quelqu'un le fera. Nicole, quelqu'un veut le faire en alsacien? Un Frock voll Frick, c'est ça le titre? Enfin bon, il y a une affiche qui est là, c'est le 5 et 6 mars, c'est à la salle Saint-Maurice à Pfastatt, mais je déposerai ça si ça vous intéresse. C'est ici, voilà, donc au mieux organisé par les copains de Pfastatt. Sinon, hier soir, avec quelques personnes ici, nous étions à la conférence de Gérard Siegwald, dont on vous avait parlé. La semaine dernière, elle est en ligne sur le site, la chaîne YouTube de la Dynamique Mulhousienne, comme le sera normalement ce culte, et aussi sur le site internet de nos paroisses. Ça y sera en début d'après-midi, mais c'est déjà en ligne. La conférence est déjà en ligne sur le. Voilà, elle est déjà. Voilà, Nicole. Nicole est une geek. Voilà, donc j'ai un peu de soucis ce matin avec mon appareil, excusez-moi. Voilà, et puis aussi le texte sera disponible, je pense, d'ici demain. C'est Jean-Sébastien Laurin qui a le texte. Soit vous lui envoyez directement à lui une demande, soit, mais je le mettrai en ligne sur le site aussi, il sera téléchargeable directement dessus. Et si certains en veulent une impression, vous me le demandez. Monsieur Siegwald, oui. Oui, ah bah. Ah ben oui, voilà, si vous voulez qu'on... Hop. Voilà. Puisqu'on en parle, comme ça, vous le voyez, on en profite. Voilà, monsieur Siegwald, c'était... Ah, il ne veut pas... C'est... Ça ne marche pas plus que ça, ce n'est pas grave. Voilà, je crois que Ilzac a un conseil presbytéral cette semaine.
Non. Ah, c'est pas un conseil. D'accord, une réunion. Voilà. Et puis, dimanche prochain, on se retrouve à Ilzac. Voilà. Et puis, il y a une dernière information. C'est qu'on est le 13 février aujourd'hui, je crois. C'est ça. Alors, demain, nous sommes le 14 février. Et je crois que le 14 février, il y a Nicole qui fête un événement un peu personnel particulier. Voilà, je le dis comme ça, en glissant, en passant. Voilà, je crois, bon, vous pourrez lui souhaiter cela, si vous voulez, à la fin ou pas, voilà, ou demain. Et nous allons à présent chanter. Si vous saviez quel sauveur je possède. Et nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier
avec les yeux ouverts sur notre monde et les mains ouvertes pour t'apporter et te remettre ce qui le brise et ce qui le détruit. Apprends-nous à savoir discerner le mal, à savoir le nommer, pour pouvoir lui résister de toutes nos forces. Apprends-nous à approcher et à accompagner celles et ceux qui sont blessés par la vie, qui ont de la peine à avancer. Permets-nous d'être pour eux des hommes et des femmes de courage et d'initiative. Apprends-nous à être des témoins de ta grâce, à savoir leur montrer combien tu es un Dieu qui nous aime, en particulier auprès de ceux qui s'enferment soit dans le doute permanent, soit dans les certitudes permanentes. Aide-nous à leur montrer combien se plaire en toi est une merveille d'équilibre. Toi qui nous as dit « Demandez et vous recevrez », donne-nous d'être alertes et inventifs pour faire notre part dans ces exaucements que nous te demandons. Et tous ensemble, en lien avec tous les chrétiens du monde, nous voulons te dire, comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Prenons à présent notre route, un pied après l'autre, dans cet exercice subtil entre doute et confiance, entre crainte et espérance, entre besoin d'amour et amour à donner. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse briller sa grâce sur toi et sur ton visage. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Amen. Thank you.